Une fois que c'est parti comestible. Si c'est comme. Enfin si c'est comestible. C'est quoi que je suis en train de bouffer, Johan? C'est comestible, oui, mais j'ai pas dit pour qui c'était comestible. Ça cool de filmer avec la personne la plus iconique, belle et intelligente de la Terre. Ouais, moi. Je pensais pas à la même personne. Ça fait une semaine que j'ai mon téton gauche qui me gratte. Je peux pas t'aider pour ça par contre. Ça c'est pas le cancer du téton, un truc comme ça, non? Sur un homme, tu peux avoir le cancer du sein. Ça c'est ton sac. Attends, ouais. Je vois un truc déjà... Oh non. Bah ouais, mais... Toi, tu ah pas. Tu caches les couilles. Ah ouais, tu caches mal. Ah non, mais non, c'est toi qui regardes. Tu caches aussi. Mal, frère, toi non. Aussi. Non. Ah non, j'ai plus envie de jouer. Putain, ah j'ai chier la main. C'est pas grave, j'ai vu un truc. Putain, je suis noire par rapport à toi. Vraiment une glace vanille chocolat. Je te jure, mais j'aime pas en plus. Je suis trop plus beau que moi en fait. Mais ça, on le savait déjà. Yo les gars, c'est Jojo. Anne. Oups. Je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Lisa, enfin. Oui, ça fait tellement longtemps. Pourquoi vous avez oublié mon existence? Ouais, de ouf, non, pour de vrai. Genre, qui est cette personne? Je suis trop content, je suis rentré d'Australie il y a. Ça fait quoi? Ça fait une semaine? Ouais, même pas quelque même chose. Même pas. Donc, j'aurais fait une surprise, je suis venu. Une surprise. Tu parles, ouais, franchement, c'est mon frère, genre. La vérité. J'ai ouvert la porte, c'était dégoûté, genre. Non, je suis passé à Lyon, du coup, chez mes vieux, pour voir, bah. Pour mettre la daronne à l'abri. En bas du bloc. Et pour voir la grosse Lisa, non, j'étais content de les voir. Et donc je me suis dit, vu que je suis à la maison, pourquoi pas tourner une vidéo avec la grosse Lisa Paps. Non, la grosse, l'ex-grosse. Ouais, c'est vrai, l'ex-grosse. Ouais, vraiment. Quoique en ce moment on mange bien. Ouais, j'aime. Ouais, faut qu'on pense au petit régime avant l'été là, parce que... Qui dit régime dit vidéo de bouffe comme d'habitude. Non, on va faire un challenge comme l'ancien YouTube, parce que franchement des fois ça me manque l'ancien YouTube. 2015. Moi je dirais même avant, genre 2013. Ouais. Donc vous voulez faire un What's in my mouth. C'était quoi cet accent flingué? Ouais, t'as ouais. Super fort en anglais. Ouais, mais... What's, in mouth. What's in my mouth? What's in my mouth? What's in my mouth? Y'a quoi dans ma bouche challenge? Ouais. Donc, on va se faire goûter des aliments à tour de tour. À tour de tour? À tour de rôle. Je suis complètement à la ramasse. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. J'ai un grave contre, problème de dyslexie et de dyspraxie. Moi, je suis complètement par contre. De quoi droguer par l'anglais? Ouais, genre non, mais je vois plus rien. Genre, je suis aveuglée. Mais moi non plus, genre, quand je filme, je me vois pas les trois quarts ah, du ouais, temps. Ouais, non, je vois pas. Gilbert Montagnier. Oui, on se bande les yeux, on va se faire goûter des trucs à tour de rôle et on va devoir deviner ce que c'est. T'as peur? Un peu. Venant de ta part, ouais. Moi ça va, mes trucs ils sont soft, mais toi je sens. Franchement, j'étais. J'allais dire, j'étais pas pris le truc de ouf, mais. Tu verras bien. Okay. Comme dirait mon daron, qui vivra verra. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche comme d'habitude si vous avez envie. Et. À vous abonner à mon Instagram puisque j'ai. Ah non, Instagram, on a sur ma chaîne. Mais bon, moi je voulais déjà vous remercier parce qu'on est presque 300 000 sur Insta et elle. Et moi presque 100 000 donc. Elle est hyper contente, elle a presque les 100 000 donc donnez-lui les 100 000, que je me lâche la grappe. Et puis on peut commencer tout de suite la vidéo. Let's go. C'est parti, tu veux commencer ou je commence? Je commence parce que je suis le cobaye, t'as tout le temps. Donc... Ok, bon, alors tu vas mettre ce petit masque, c'est bon? Tu vois rien? Genre là, je fais quoi? Je sais pas, un donneur, un truc comme ça. J'en ai des yeux. Oh, tu vois même pas, mais j'en étais sûre. Ah, la tête de mer, elle est mentaliste. Je vais commencer avec du. avec du soft. J'ai le droit de sentir avant ou pas? Non, bah non. Bah non, ça n'y a aucun sens. Faut pas que t'entends des bruits. La 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 la. Allez, ouvre la bouche. Non. Allez, ma bouche, ouvrant. Allez, mâche. C'est quoi? J'arrive pas à deviner. Tu reconnais le goût de la viande? Quelle viande c'est au moins? C'est une blanquette de veau, non? Non. C'est du veau? Non. D'agneau? Oui. Ouais, voilà. T'as trouvé. Ah, moi, je mets le masque. J'ai trop hâte. Vas-y, c'est parti. Je me suis tapé la meilleure barre. Attends, faut pas que j'entende aussi. Ah, t'inquiète. Je bouge mes oreilles, je bouge mes oreilles. Tu me dis quand c'est bon. Allez, ouvre la bouche. Attends, je vais te rigoler. Ah, ça dégue. Oh, oh, oui, ça je vais vomir. Ah, j'ai très bien ce que c'est. Ah, je vais vomir. Tu sais ce que c'est? Les jeux de poisson. Ouais. Ah, un ballon. Ah, il prend un crack. Ça a vraiment le goût de la mer. Donc, tu pues la balle. Bon, vas-y, à toi. T'es prête ou pas? Vas-y.
Moi je t'en prends la cuillère des autres poissons. Non, non, c'est pas bête d'essayer de sentir. Je crois que j'étais pas très bien. Tiens, ouvre la bouche et vite mange. Ah, un bien. C'est quoi? C'est quoi? Ah, pas vrai. Des dents, ah, tiens. On dirait soit de la sauce soja, mais genre compact, soit du café ou un truc comme ça. J'ai de l'espace. Ah, j'ai de l'espace. Non, papa, je vais pas le voir. Alors du coup, bah, moi je t'ai dit mes hypothèses, soit c'est de l'arôme en pot, soit du café. C'est presque ça, c'est du Marmite. Tu sais, mange ça sur des tartines le matin, mais c'est genre à mettre sur du beurre ou quoi. Bon, voilà, j'ai été vraiment hyper gentil avec lui. Vas-y, serre-moi un verre, j'ai grave soif. On dirait du cacao, mais pour les bébés. Presque. C'est du lait, mais c'est pas du lait normal. Ouais, exactement. Du lait pour les bébés. Ouais. Mais pourquoi ça coûte du cacao? Je sais pas, ouais. Il est pas au chocolat? Non. Mmh, t'as vu, c'est super bon. Non, mais c'est hyper sucré. Oh, non, pas les trucs avec des pots. Allez, ouvre la bouche. Ouvre. Non, arrête de renipper. Ouvre et mange. Ouvre et mange. C'est bon ou pas? Un truc à l'artichaut. Comment tu sais? C'est ça, c'est des petits pots pour bébé à l'artichaut. C'est dégueulasse à ce point? Ah non, je peux pas. Tout le monde. Franchement, pour le moment, toi t'étais plus gentil que moi. Ah, ouais, mais j'ai piqué des trucs gentils, moi en fait. Hein. Ouais, mais t'es une grosse conne, t'as pas compris. Bah ouais, mais non, mais. Ça galère là, ça galère non, sec. C'est bon, c'est bon. Dis-moi quand c'est bon, je peux ouvrir la bouche. C'est bon. Je vais faire du chocolat. Il est tout fou. Ouais, mais putain, tu connais tout. Vas-y, joue plus, ça me fout. Il est tout fou. Bah ouais, c'est dingue, non? Ah bah ouais. Putain, en plus, la matière c'est vraiment épais. Genre, tu peux caler ton canapé avec, t'asseoir dessus et tout. Un, deux, trois, ouvre la bouche, mâche. Oh mon regarde. Mâche. C'est un piment. Oh, tu l'as pas mâché, ça te garce. Ouais, c'est la bouche en feu déjà. Ah, il pique de ouf. Ah, de ouf. Ah, mais en plus, c'est un rouge. Je vais le poser. Ah, ah, ah. Mais faut que j'aille chercher de l'eau. Tiens, ça, vas-y. C'est de la merde. Goûte. J'ai peur. Non, non, t'inquiète. Moi, j'ai tout fait. On dirait un médicament. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas bon. Ça a le goût un peu de, du Doliprane à l'orange. Bah c'est ça. C'est non, non, c'est pas du Doliprane. C'est quoi? C'est du Juvamine, c'est des vitamines. Ah, vitamine. Ouais. Vas-y, je bois. Ça peut me faire rester en vie plus longtemps. T'es prête? Ouais. Par contre, faut que tu croques. Croque. Ça me fait penser à un truc à ton retard. Comestible. Si c'est comme. Enfin si c'est comestible. C'est quoi que je suis en train de bouffer, Joanne? C'est bon ou pas? C'est comestible, oui, mais j'ai pas dit pour qui c'était comestible. Bon, elles sont bonnes ou pas? Ça sent la bouche de Po et Loki. Ah, mon ventre! Tiens, tu veux cracher? Ça goûte quoi? Non, c'est pour ça que c'était dur à bouffer. Ouais, Joël, par contre, tu m'as fait de la zeub. Hein. Bah, c'est bon, franchement, là, c'est... Tu veux que je te dise la vérité? Oui. J'ai mis mon produit, le produit que je devais te faire tester, mais tellement basique que j'aurais voulu rajouter la croquette dessus. Bête, tu crois que je vais manger ta putain de croquette? Vas-y, bah goûte. Non, ça va, t'inquiète, c'est pas. C'est de la gelée, non? Ah, mais à quoi? Au citron. Et? Non, de la gelée au citron, je dirais. Non, il y a une fleur. Oh, marmelade de citron et citron vert, c'est non, rose. Ah, c'est de la. Ah, de rose? C'est de la rose aussi. Mais non, grosse conne, c'est le nom de la marque, Roses. Bon. Par contre, j'ai encore de la croquette quand c'est dans les chicots. Donc, c'est ce qu'il te reste à faire. Ça pue la blanquette dans ma chambre, c'est abusé. On dirait que je suis une grosse dame de la cantine. Bah ouvre la bouche. Et je te jure que c'est un truc bon. Mange. Ah non, je crois que t'aimes bien. L'odeur est dessus. Exactement, t'as trouvé, je suis mort. Non, faut jamais boire. Ah, la canette, tu vas te couper, hein. Non, c'est même pas ça, c'est qu'il y a de la merde, des trucs comme ça. Ouais, des rats qui chient tout de suite, laisse tomber, ouais. Je t'aime pas, mais quand même. Bon.
maintenant. C'est maintenant la fin de cette dégustation à l'aveugle. Franchement, pour ma part, j'étais hyper gentille. En plus de ça, il a tout deviné. Non, t'as pas été gentil, franchement, t'as été une grosse conne. Je pensais pas t'aller me faire goûter des croquettes. Bien sûr, je vais te faire la misère. Je suis ton frère, je suis pas là pour te. Bon, on espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que vous êtes content de revoir Lisa sur ma chaîne. J'espère qu'on vous a bien fait rigoler, surtout. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. De laisser un pouce bleu et un commentaire. Et de nous embrasser sur la mouche. Et on vous dit à très 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 vite pour une prochaine vidéo. Tous les deux, ou peut-être que je serai tout seul, je ne sais pas, qui sait. On ne sait pas quoi demain fait. Peut-être qu'on se fera écraser par un camion ce soir et que vous ne nous reverrez jamais. Bonne soirée.